changé de vie vraiment radicalement, quoi. Et on a un très très bon ami qui est boxeur, et un jour, un combat à Londres, il y a quelques années, et c'était vraiment un très très bon boxeur, champion du monde, champion d'Europe, tout ça, voilà. Et notre pote, on était 6 ou 7 Français avec lui pendant ce combat, ce championnat d'Europe à Londres. Et quand il est monté sur le ring, on a vu tout de suite, enfin les gens qui le connaissaient bien, ont vu tout de suite que quelque chose était parti. L'après-midi, il avait envie de gagner ce combat, il avait envie de boxer. Et ça faisait des années qu'il boxait, et puis là, d'un seul coup, il n'y avait plus rien dans ses yeux, plus rien du tout, rien du tout. C'était fini, il avait plus envie de boxer. Et donc il a pas fait ce combat, il a fait comme le règlement du championnat d'Europe, il a mis trois fois le genou à terre, et puis il a arrêté le combat, et puis c'était fini. Et il avait pris, même si lui ne se rendait pas compte, à ce moment-là, il avait pris la décision de changer de vie inconsciemment, de finir ça, quoi. Et c'était vraiment très intéressant à observer, même si c'était terrible, la nuit d'après était terrible pour lui et pour nous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait décidé de changer de vie ce soir-là, même en montant sur la ring. Cette chanson, elle est pour notre ami Fabrice Benichou, et elle s'appelle « À terre ». Elle raconte ce moment-là. Que tu sois vraiment toi.